Salut Maxime. Allez. Ça va? Ouais. On a de la chance aujourd'hui. Ouais, c'est clair. On a des bonnes conditions là. C'est toi qui nous emmène? Ouais, ça va être cool. C'est toi le chauffeur aujourd'hui? Ouais. Ouais, ça alterne. C'est jamais le même. Désolé, hein, c'est la rue des Dodanes. C'est pour casser la vitesse. Ouais, c'est ça. On est obligé pour les sprinteurs, on est obligé de casser la vitesse. Ça fait combien d'années, Maxime, que tu pratiques le kayak? Bah, au niveau, ma première sélection équipe de France, c'était en 2002. Donc ça fait maintenant 13 ans. Par contre, je mettrais quand même une petite différence avec la pratique de haut niveau et la démarche de haut niveau, où vraiment je mets tout en place pour vraiment atteindre mon objectif, à savoir d'être champion olympique. Où là, je dirais plutôt 2010. Donc ça fait que 5 ans. D'accord. Au début, mes objectifs, c'était une simple sélection équipe de France, puis ensuite une finale mondiale. Donc c'était des objectifs, on peut parler quand même de haut niveau, mais là où je fais vraiment la différence, c'est le très très haut niveau où tu vas chercher le moindre détail pour être vraiment au top. Là, ça fait que 5 ans que je suis vraiment dans cette démarche-là. Sinon, 24 ans de pratique. Je suis un des vieux du groupe. D'ailleurs, ils ne se gênent pas pour me le rappeler. Là, la grande motivation pour aller à l'entraînement, c'est l'objectif des Jeux Olympiques. Ah ouais, c'est clair. C'est clair, on y pense tous les jours, chaque entraînement. Peut-être pas à chaque coup de pagaie, ce serait mentir, mais quasi, parce que voilà, il y a... Là, je sais que justement, je suis plutôt en fin de carrière, ce sera peut-être mes derniers Jeux. Et là, ça fait 4 ans que je suis passé à côté d'une médaille olympique en terminant 4e à Londres. Là, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner et de gagner. Ça s'est joué à rien du tout en plus. Ouais, 300e pour la médaille. Mais bon, sur 200 mètres, c'est le jeu. On sait que ça va être serré et qu'on n'a pas le droit de rater le moindre coup de pagaie. Cette médaille d'or, si tu l'obtiens, ça va changer beaucoup de choses dans ta vie? Déjà, ce sera l'objectif, il sera atteint. Ça sera une grande satisfaction personnelle. Et puis ensuite, sûrement que ça changera un petit peu peut-être le regard des autres ou la reconnaissance des autres, je sais pas, mais je t'avoue que moi c'est surtout pour moi où
où c'est le point le plus haut que je peux atteindre. Et bah, comme tout sportif, je pense, l'idée c'est d'aller le plus haut possible. Mais là, c'est l'or olympique. C'est l'or olympique, ouais, c'est clair. Je fais l'or olympique, je re-signerai un an pour aller chercher l'or mondial. Parce que t'es vice-champion du monde. Ouais, c'est que vice-champion du monde. Pas trop de vent, c'est bien, c'est bien. Donc là ce matin on va faire 3 x 15 avec 3 balles, après 3 x 15 avec une balle. Donc tout le frein on fera des départ lancé. Sur le frein l'objectif ce sera bien d'être bien puissant, bien placé techniquement. Et après ça on enlèvera le frein et on fera des 10 secondes. 3 x 10 secondes lancé, 3 x 10 secondes arrêté. Et on verra, on fera sûrement deux fois ça. Un métier extraordinaire. T'as vu ça? Je pourrais même pêcher si je mets. Ah bon? Tu vois, je pourrais mettre une traîne. Les entraîneurs de canoë sont les mêmes que les entraîneurs de kayak? Souvent, oui. Moi, en l'occurrence, j'entraîne Théo, là, qui est avec mon collègue et William Chamba sur le pôle, donc deux canoës et les kayak sprint. En fait, sur le pôle, j'entraîne tous les sprinteurs, kayak et canoë garçons. Mais en fait, l'hiver, ce qui se passe, c'est que en France, voilà, c'est l'hiver. Donc les températures baissent, l'eau fait la même chose, l'eau elle refroidit. Et plus l'eau va être froide, plus l'appui pour les athlètes va être dur. Et donc... moins ils vont, en fait ça va les ralentir. Ils vont aller un petit peu moins vite que quand l'eau sera plus chaude. Or nous, on n'a pas de compétition en hiver à part éventuellement des compétitions régionales ou interrégionales et plutôt sur des longues distances. Donc en gros, en compétition, on a plutôt l'habitude de courir dans des eaux qui sont au moins à près de 20 degrés, on va dire. Et donc les chronos références qu'on va aller chercher au mois d'août, ils sont impossibles à faire au mois de décembre dans une eau qui est 20 degrés plus froide. Quoi. Ils font 50 mètres en 10 secondes? Ouais, voilà, ils font les kayaks, ils font un petit peu plus. Puisqu'au 200, max, ses meilleurs chronos, c'est en 34 secondes avec son record en 33,97. Qui est d'ailleurs la troisième performance mondiale de tous les temps.
Ils vont te mettre un micro. Puis après, on va y aller. Donc là, le frein, il est sous la coque. Là, ils ont les trois balles sous le bateau. Après, on en enlèvera deux, ils en en mettront qu'une. Donc là, c'est vraiment pour travailler la musculation spécifique. Et les balles créent une résistance dans l'eau, c'est ça ? Voilà, ça vient perturber la glisse. Ça les, voilà, on va voir, hein, ils vont partir et ils vont beaucoup moins vite que quand il n'y a pas les balles. Ça suffit pour vraiment... trois balles, ça freine beaucoup le bateau. Ah bon ? Ouais. Ça, c'est un travail de musculation spécifique sur le bateau. Voilà, travail en bateau de musculation spécifique. Et derrière, quand on les enlève, eh ben, on obtient un peu des sensations de... Avec le contraste, presque des sensations au début, ils ont presque l'impression d'avoir de la survitesse, quoi. Dans 30 secondes. Allez vous aligner. Allez, on se place bien, on se grandit. On regarde loin devant. Dans 5, 3, 2, 1, hop! Max 110, Johan 109. On croirait pas qu'on est au mois de décembre quand même. Dans 30 secondes pour le troisième. Bien concentré sur la puissance, sur les placements. Prends bien le temps de faire passer le bateau. Ne précipite pas les choses. Allez, dans 10 secondes. Allez, on se concentre. Trois, deux, un, hop! Milieu 113, max tout à la fin 100. Allez, vous enlevez deux balles, on garde juste une. Donc là, ils vont mettre deux balles sur leur pont. Ils vont en garder qu'une sous la coque, donc ça va moins freiner. Donc ils vont déjà trouver un peu plus de facilité, les cadences vont monter un tout petit peu plus haut. On va refaire 3 fois 15 secondes et après on passera au travail sans résistance. Donc là les objectifs, c'est la même chose qu'avec les 3 balles, sauf que comme il n'y en a plus qu'une, ça doit aller un peu plus vite, donc on ne se bride pas sur la cadence. Mais on reste concentré avant toute chose sur la technique, les placements, la transmission. Allez, dans 30 secondes, vous vous alignez tranquillement, vous prenez de la place, pas vous gêner. Allez, on se concentre. 10 secondes. Trois, deux, un. Hop!
Max 130, Johan 122. Et bien concentré sur les jambes et les abdos, Max. On doit bien partir d'en bas. En restant grand sur la posture. Au bout de 2-3 coups de pelle, tu dois bien sentir que tu arrives à mettre l'amplitude dans le siège. Il ne doit plus y avoir de flexion. Les 3 premiers coups puissants, mais après, passe bien sur bonne posture, bien la rotation. Tu leur dis, soit bien dans tes abdos, soit bien dans ton corps. C'est quelles chaînes musculaires qui interviennent là ? Alors évidemment, c'est essentiellement le haut du corps avec les dorsaux, le grand dorsal, toute la chaîne postérieure. Avec les pectoraux, les triceps pour fixer la main supérieure, ce qui permet de régler la... En fait, c'est un peu ça le braquet, c'est ça qui durcit ou pas l'appui, en fonction de comment on va fixer sa main supérieure. C'est un peu le braquet du kayakiste. Et en fait, ils ont une barre à pied dans le bateau. Ils appuient sur leurs jambes. Et donc, c'est pour ça que je leur parle souvent des jambes et des abdos. Parce que ça va être la façon de transmettre. On crée l'appui là, avec la pagaie, c'est un point fixe. On fait passer le bateau devant au moyen des jambes et des abdos. Et donc, tout l'enjeu, c'est de travailler au maximum avec ces muscles-là. Parce que les jambes, c'est quand même plus puissant que le haut du corps. Et donc de faire contribuer au maximum les jambes, les abdos et tout le gainage pour que tout ce qui est pris dans l'eau permette de faire avancer le bateau. Et on enlèvera les freins. Là, ils font 15 secondes d'effort, 1 minute 45 de récup. Comme il fait beau aujourd'hui, je n'hésite pas à prendre au moins 4-5 minutes. Quand il fait froid, ben on régule parce qu'il faut pas qu'ils aient froid au bout d'un moment à la récup. Donc là, ils enlèvent l'eau des balles pour pas que ça coule quand ils vont en retirer le frein, qu'ils aient le temps de l'attraper. Que tu participes aussi à la construction humaine de chaque athlète. C'est ça. Je pense qu'en tout cas, s'ils ne deviennent pas tous des champions, j'espère contribuer à faire tout ce qu'ils vont apprendre pourra éventuellement être réinvesti dans une vie future, dans d'autres domaines que le sport. Donc, par rapport à ça, il y a des objectifs qui ne sont pas que axés sur la performance directe en canoë-kayak, même si je pense que tout ce que je vais leur apporter va les aider à être plus performants. Et Maxime, tu l'entraînes depuis combien de temps ? Maxime, je dirais qu'on travaille à plein temps ensemble depuis 2010. Alors, on va y aller dans 20 secondes. Donc là, on part pour 3 fois 10 secondes, lancé. Max 143, Johan 141. Alors je vais tenter de faire comme vous, moi, une caméra un peu plus petite. Il y a une culture de se filmer dans ta discipline. Je veux dire, est-ce que tu es un entraîneur filmeur ? Moi, je dirais que je suis dans une moyenne raisonnable. Je filme rarement plus d'une fois par semaine. Alors peut-être c'est beaucoup, je sais pas. Mais je filme pas toutes les séances. J'aime bien que toutes les compétitions soient filmées. Et après, je fais avec des athlètes de ce niveau-là, je fais pas forcément des retours vidéo sur chaque... Là, par exemple, je vais filmer 10 ou 30 secondes dans la séance.
et je vais lui envoyer sur son téléphone, il regardera. Et en fonction de... on verra si on en discute ou pas, mais c'est plus pour qu'il mette des images sur ce qu'il fait. Après, de temps en temps, on fait vraiment une analyse vidéo, et là, c'est un peu plus poussé. Mais voilà, c'est vraiment l'idée de mettre des images sur ce qu'ils font, en plus des retours que je leur fais tout au long de la séance. Allez, on s'aligne. Dans 15 secondes. Dans 5, 3, 2, 1, hop! On récupère jusqu'au bout. Et on va passer aux 10 secondes départ arrêté. Là, tu me dis hein, si tu veux que je me remette de l'autre côté ou quoi. Allez, vous allez vous regrouper, on va s'aligner pour faire les départs arrêtés. On dépasse un peu les vagues, là on s'aligne juste derrière. On va y aller. Ready, set, go! Ouais. Max 157. T'as pris quel protocole de départ là, le tien? Protocole de la panique. Protocole la panique. Ah mais arrivé à 7-8 et au moment où je me rends, je me dis ah merde, il fallait que je fasse avant. Ouais, en fait, c'était quand même adapté à la circonstance, je pense. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt placé, quoi. Ah. Ça a bien jailli, quand même. Je vais essayer le prochain, quand même, d'essayer... 6. 6, ouais. Dans une minute. Allez, vous avancez tranquillement. Là, tu reproduis exactement le départ de compétition. Ouais, je donne l'ordre de départ de compétition. Par contre, évidemment, il n'y a pas les systèmes de départ, donc c'est un peu différent, mais on est assez proche. La petite différence, c'est comme quand il y a la boîte devant, ils peuvent un peu s'appuyer dans la boîte, on va dire, en mettant en pression leur premier coup de pelle. Donc là, ils sont obligés de le faire un peu moins, parce que sinon, ils avancent. Évidemment, le départ, c'est primordial. Ouais, là, pour les sprinteurs, ça fait partie de la clé du succès. Tu échanges avec les entraîneurs de sprint en athlétisme ou avec des coureurs par exemple? Ouais, bah avec les collègues de l'INSEP comme Renaud Longuet ou Guillaume Tanon. J'ai discuté de temps en temps au cours de petites tables rondes. Et je me suis beaucoup inspiré aussi du cycliste sur piste avec Florian Rousseau pour construire la planification du sprint. Allez, on se concentre. Ready? Set, go! Oh! Johan, 154. Plutôt bien la posture, là, Max. Bien grandi. Tu sens comment toi, c'est solide? Ouais. C'est des petites fautes de moi, mais je pense 6, ça passe. Après c'est pas trop. C'est pas trop tac-tac. Bah c'est vrai que tu te grandis un peu d'un coup. Ouais. Je pense que tu peux le faire un peu plus progressivement. Pas obligé de le faire aussi marqué.
Allez, du coup, tu veux dire au 5, je progresse un peu, au 6, je suis placé ou... Non, pour moi, tu fais 6 et à partir du 6, en gros, si à la... Tu peux presque être complètement grand que vers la, presque la fin du 10 secondes. La fin ? Bah, tu peux te grandir progressivement. C'est pas sur... Après, je dirais, il n'y a pas un nombre de coups de pelle en fonction de comment tu sens que ça accélère. On stoppe bien son bateau. Voilà, avance un peu Guillaume. On va y aller. Ready, set, go! Ouais. Max 150. Allez, on récupère tranquillement jusqu'au 1000 là-bas. Et on fera demi-tour au 1000 mètres. Donc là, je profite qu'il fait beau pour faire une grosse séance. S'il avait fait beaucoup plus froid, je l'aurais sûrement écourté. Mais comme il fait bon, qu'ils n'ont pas froid sur l'eau, qu'ils n'ont pas froid aux mains, j'en profite tant que je sens que ça va pour continuer. Voilà, ça fait partie des avantages et des inconvénients de notre sport. Hein. C'est un sport plein air, donc de temps en temps, on s'adapte aussi à ce que la météo nous propose. Allez, on récupère jusqu'à la grosse bouée jaune, là. Vous arrêterez là-bas. Donc là, il reste 3 départs arrêtés. Ceux qui sont fatigués, on en fait un. Et si c'est fini, s'il n'y a plus de jus, on s'arrête là. Ceux pour qui ça va, on continue sur les 3. Il ne faut pas les faire pour les faire. Allez, on s'aligne. Allez, vous bougez plus. Ready, set, go! Max 156. T'es bien là, bien redressé. Après, c'est la cadence, elle est bien montée, ça donnait vraiment l'impression d'être relâché. Ouais. Là, je sens que j'ai l'impression d'être bien techniquement. Là, c'est vraiment dans le physique qu'on est. Là. Ouais, manque un peu d'énergie, quoi. Ouais, mais du coup, c'est... Mais quand même, comme tout est bien placé, ça va quand même vite. On est en 3e semaine de développement, donc on fait un gros cycle avec beaucoup de musculation et quand même globalement pour les sprinteurs là, des semaines
facilement entre 16 et presque 20 heures des fois. Donc c'est beaucoup. Ce qui fait que là ils ont quand même la fatigue qui commence à se faire sentir et les vacances de Noël vont être les bienvenues. C'est bon ? Allez, on bouge plus. Ready, set, go! Ouais. Johan, 154. Bon, il en reste un, c'est libre. Soit vous sentez de le faire, soit vous sentez que vous avez plus de jus, vous le faites pas. Tu crois qu'ils vont tous le faire ? Ouais, j'ai l'impression qu'ils se prennent au jeu. Souvent, quand on leur laisse le choix, finalement, ils le font. Terminé. Max 151. C'est bien les gars, bonne séance. C'est bien Max. Ça s'enchaîne bien, c'est solide. Ça transmet bien. Oui, c'était une bonne séance globalement. Techniquement. Techniquement parlant. Après sur l'investissement, moi j'ai. Voilà, après par rapport au niveau d'énergie, ça n'est pas trop étonnant en troisième semaine de développement. Tu vois les postures là qu'on. Disais de faire avec de Ralph et Edouard, ouais. J'ai l'impression que ça marche plutôt pas mal. Ça t'aide de te mettre un peu changer de position off, ouais. À la récup et ouais. Moi je pense que ça repose les chaînes en fait et ouais. Du coup elles sont plus disponibles à chaque fois pour sprinter. Ouais, parce que tu vois j'ai, à un moment donné j'avais même l'impression que ça irait pas au bout et en fait ça passe. Ouais, finalement c'est bien passé. Pour un 17 décembre je crois que c'est une bonne vitesse. Après, il y a des saisons à cette époque-là, on fait pas de bateau parce qu'il fait trop froid et donc on passe plus de temps sur la machine à pagayer, en salle, ou à faire de la course à pied, éventuellement du vélo. Et voilà, là, ça fait quand même 2-3 mois de décembre de suite où on a de la chance, on peut bien faire du bateau. Fidèle ? Ouais. On l'a fait réviser il n'y a pas longtemps, alors en ce moment il marche bien. Donc là on voit bien le pédalage. Donc l'idée c'est bien que ça parte des jambes, ça, les hanches, il y a une rotation au niveau des hanches et des épaules et c'est ça qu'on appelle l'amplitude sur l'avant. Quand on pousse sur une jambe, il faut engager la hanche opposée pour bien être prêt à donner le coup de pagaie suivant. Là de ce côté on voit bien quand il pagaie à droite qu'il engage sa hanche gauche. Donc il se sert bien de ses jambes, ses abdos, ses obliques pour faire avancer le bateau.
Ça, c'est le bateau avec lequel tu feras les jeux, Maxime ? Non. Non ? Non, ça, c'est le bateau avec lequel j'ai disputé les championnats du monde en 2015. Par contre, ce ne sera pas le bateau des jeux. D'ici là, j'en aurai un... Enfin, si j'ai la chance de courir le monoplace au jeu, j'en aurai un autre. Parce que t'es pas encore qualifié, là ? Non, non. En fait, les bateaux sont sélectionnés. Et après, il faut, nous, se sélectionner dans les bateaux. D'accord. Donc ça sera au mois de mai prochain. À Mantes-la-Jolie, il y a les sélections nationales. Donc les deux premiers sur 200 mètres courent le biplace. Et le premier courra biplace et monoplace. D'accord. Donc là... Là, bon, il y a de grandes chances qu'on soit dans les deux avec mon équipier Sébastien Jouve, malgré que quand même ça pousse derrière parce que les places sont ouvertes, donc il y a la concurrence s'agite derrière, évidemment. Après ça va être entre nous deux où il va falloir être équipier, mais aussi se battre pour aller chercher le monoplace pour disputer au jeu, quoi. C'est un peu dur, non ? C'est un peu dur, mais d'un côté, c'est... De toute façon, c'est le sport de haut niveau, hein. Et puis ça nous permet de qu'il y ait une émulation entre nous. Pour l'instant, elle est saine, donc il n'y a pas de souci. Et ça permet aussi de tirer vers le haut le niveau. Et ça rend service au biplace aussi. Donc j'ai envie de dire, pour l'instant, ça pose aucun problème. Nous, on veut aller chercher des titres. Donc à partir de là, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc, bon, il sera sûrement blanc, parce que c'est la couleur officielle des Jeux pour la France. On a un code couleur au niveau matériel. Par contre, il sera peut-être orné de quelques fresques bleu, blanc, rouge. On verra, je sais pas encore.